Alléluia. Nous disons merci pour ce Père qui nous a donné. Amen. Chacun a exprimé dans ses pas de dents, dans sa façon de faire, dans ses larmes, ce qu'il ressent. Amen. Ouais, non. Quand tu travailles dans la vie des gens, ils s'attachent à toi. Amen. Vous comprenez, non? C'est pour ça qu'on honore le Père. Parce que les enfants s'attachent à la mère. Les enfants s'attachent au Père. Pour ça que vous avez vu chacun exprimer à sa façon. Jusqu'à même les larmes. Parce que tu ne peux pas dire. Mais tu vois la grandeur de Dieu. Tes larmes la parlent. Ce n'est pas que tu vas dire que c'est. Non, c'est des larmes qui ne peuvent pas définir ce que la personne ressent. Et elles laissent les larmes. Alléluia. Nous allons donner dans le micro à Papa Didier. Pour nous bénir. Applaudissez très très fort. Mon cher Cédric, I am very grateful for all the words that you have explained toward me. I am very grateful because it's very important to know that your sons and your daughters are taking care of what you do for them. Amen. Really, this is not my birthday. This is not the birthday of this Christian community. But to have decided to take the opportunity of what is called Fête des Pères to have a celebration here today. May God bless you for that. Amen. You did it not only because you are members of the community of this community, but you did it because your heart was urging every one of you to express the love that you have between you and the leader pastor and the reverend doctor. Amen. You wanted to express in front of all the world. Amen. That you are blessing God because He has given to you a special man. Amen. Sometimes you don't understand what He is doing. Sometimes you are confused by what he is saying. Sometimes you don't see very well where he wants to lead you. But at the end, you discover that you have taken out of this more faith in the Lord, more love in the spiritual way, amen, and more power by the word of God. Amen. Yes. That is what you express today. It's your heart that is talking. You have danced, you have talked, but every one of you have a heart who want to express something special today. Amen. And it's a very great pleasure for me to be the one today by all that you have made here. You know, God wants humility, God wants modesty, and God hates selfishness. You know, man is so proud. That is not easy for a man who is a leader to say now I am going to put in front of his my wife. I am going to put the main charge of my
my ministry on my wife. Because everybody wants to be in the light. Everybody wants to get the spotlight. And he thinks like you are someone backlighted when you accept this. But I want you to see that the big revelation of this ministry is to say, be the leader and let the woman bring the light. Yes. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui ici est quelque chose de très particulier. Ce n'est pas l'anniversaire du ministère, ce n'est pas mon anniversaire, ce n'est pas un événement lié à quelque chose qui s'est produit dans l'église. C'est vos cœurs qui vous ont pressé de venir manifester votre joie et la joie de votre contentement. Contentement est dans une église où l'encadrement que vous recevez vous permet de découvrir des merveilles qu'il y a à cheminer avec le Seigneur. Contentement de voir que vous disposez dans cette église d'une bombe spirituelle, d'une encyclopédie vivante de la Bible et d'une source de l'amour de Dieu qu'est la révérende docteur Andy. Contentement de voir que avec l'appui du pasteur Hubert, s'exprime à la communauté pour qu'ils demandent toutes les choses qui sont nécessaires à votre épanouissement spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je vous en remercie. Amen.